Bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir toute famille, amis, internautes qui connectés, mais ça nouvelle dans le moment et toute l'autre channel plateforme ça qui prêt à regarder, prêt à attendre l'émission ça moment. Nous comptons pour notre la canouille avec une nouvelle émission côté que jeudi, nous prêt parler avec nous prêt à regarder ça puisque il y a plus d'amis qui écrit nous par rapport avec situation et sécurité que on est dans un bon la caillou, question Jérusalem qui sont au Naville, l'autre côté encore Canaran. Côté que NEC armé prend zone ça en otage. Nous prenons venir avec des séries d'informations qui, ce n'est pas aujourd'hui hein, que réalité insécurité ça a poussé d'eau en pile monde qui était pays, mais qui était zone, côté où même ils vivent. Nous prenons regarder aujourd'hui hein, un ensemble de quartiers qui est abandonné et nous avons regardé tout comment que Mounio qui t'a vivre dans une zone et côté bandit armé, force qui quitter zone ça. Al prend refuge, non ou espace peut-être qui pas préparé pour ça. C'est comme d'a dit que moun yo réfugié dans même zone, dans le même pays. Ce n'est pas ni étranger ou ce n'est pas ni ressortissant qui ou yé. Yo c'est haïtien, natif natal, même j'ai avec moun qui dans l'État, même j'ai avec de nek qui ou même dans classe économique payant et qui armé de jeunes garçons avec jeunes femmes. Qui fait jeudi en que il y a pour quitter zone yo et il y a le vivre l'autre côté et là imaginez que un monde qui a quitté un côté que t'es resté avec un petit monde sous bras et il pas préparé pour rien par rapport avec situation qui fait pousser de l'alliance ou qu'a imaginer comment que ça li triste et dur. Est-ce qu'on connaît jeudi en qui un ensemble de monde qui a fait la descente qui monde qui a dormi levé sous galerie Kamoun. Alors que, moun a quitté la kaili, moun a quitté chamni, moun a quitté tout espace, confort que te gen la kaili, mais bandi, poussé dol, bandi fait al vivre, al rete l'autre côté que pas même souhaité que te rete. Et, n'a dit que, nan toute question ça, nan toute situation ça, comment que autorité yo, comment que dirigeant dans l'état yo même, il y a une question ça. Nous allons finir avec un rapport que Binut a réalisé dans l'année 2017-2018, même année 2020, que côté qui a essayé de montrer que 2022, quantité de monde qui quitte le pays, qui quitte la zone côté territoire, qui a caché l'autre côté. Selon ça, on fait comprendre que l'insécurité en Haïti, les provoquer ça un déplacement massif. C'est comme d'a dit qui ça, dans la zone Jérusalem, dans la zone Onaville, dans la zone Canaran, dans la zone Matissan, Fontamara, Gravine, c'est des zones côté que tu as un pile monde qui t'a vu dans la zone ça. Mais bataille n'est armée, vini rendre que moun yo obligé de quitter la zone ça et y a le cacher l'autre côté. Et est-ce que nous songeons que les batailles qui te déclenché exactement en dedans de Ravine, Fontamara, village de Dieu, et bataille ça, comment que te poussé d'eau plusieurs milliers de monde qui te obligé à prendre refuge dans ce sportif Carrefour. Est-ce que nous songeons ça? Eh bien, nous pouvons regarder des séries de détails. Et pas seulement dans ce sportif Carrefour, mais qui a pu l'autre côté toujours, que nous sommes obligés de quitter Caillou, à prendre refuge l'autre côté. Dans la date qui était 28 octobre 2022, nous sommes capables de dire, Jean Mounio te dit là, ça était la cause. Plusieurs Haïtiens, plusieurs frères actuels nous, t'es obligé de quitter un ensemble de zones. Tant que Port-au-Prince, peu de choses, dans la zone Badelma, pour nous dire bien, Delma 2, Delma 18, Delma 24, Solino, c'est un ensemble de zones. Les batailles armées, ça y est. Soit si ce n'est pas équipe G9 en famille et alliés, Kaboum et équipe GPEP, non, Badelma Cité Soleil, ou joine, c'est équipe chez méchant, Kaboum et Koubal avec les 400 Maouzouyo, non, plein, non, qui pousse de en pile moun qui te zone ça, parfois ou joine, c'est équipe ISO 5 secondes, Kaboum avec équipe. Nous sommes capables de dire que l'appli qui mélange avec ISO, qui a avec l'équipe Chris là.
selon un rapport que OIM a réalisé dans le travail d'enquête, selon eux-mêmes, ils fait connaître que sorti dans le commencement de l'année 2022 qui s'est passé là, pour arriver au mois de juin, il y a plus passé 113 000 personnes qui sont considérées comme de déplacés en dedans de propre pays encore. C'est comme d'a dit, c'est 113 000 réfugiés haïtiens qui en dans pays yo et qui encore déplacés, quitter zone côté autorité pour aller dans l'autre zone. Pour qui ça? Parce que nèg armé prend zone ça en otage. Sur 96 000 moun que insécurité à lui-même. Là moi dans année 2022, 96 000 moun insécurité li pousse do dans région métropolitaine Port-au-Prince là, selon ça on fait qu'on est majorité là-dedans yo moun sa yo sorti dans capitale haïtienne. Ça veut dire c'est le moun qui sorti dans région métropolitaine Port-au-Prince par rapport avec question insécurité ça. Et pas gen l'autre situation qui provoquait bataille ça, qui provoquait déplacement citoyen ça yo, c'est question affrontement en gang à gang et question instabilité politique là. Et vous faites qu'on est 17 000 moun qui ont même déplacé suite à avec ça relé tremblement de terre 12 janvier 2010 qui était déplacé. Mais les regardez par rapport avec insécurité yon, li bay plus moun qui déplacé avec question bataille armée yo. Gen moun qui dit que dans rapport ça que BINU ou ensemble d'organismes droits humains et même OIM, yo trouvé fait comprendre que violence qui gagne dans capitale haïtienne non li lié avec de série de gangs armés que nous connaissons déjà mes amis que m'a cité de temps en temps G9 GPEP et 400 Maozo chez méchant Kempes ISO 5 secondes si la Vega Ravine et n'a dit tout gagné exactement Cristal Antibois. Je fais comprendre que za criminel sa yo, eh ben yo rend que gesan rele yon inégalité qui existait et ça qui vient rend que tout ça rele situation moun yo li vin précaire, li vin fragile parce que moun yo pa ka fonctionner, yo pa ka travail, yo pa ka vendre dans marché yo et ça veut dire ça vient augmenter situation insécurité moun yo et condition moun yo a vivre dans pays. Yo montre que question de sécurité ça bon ensemble de zones qui censé insécurité à plus présent là-dedans. Par exemple, Canaran côté que je dis hein dans entre nord capitale pays hein où jeune présence un ensemble de groupes armés ou ensemble de nèg armés qui yo même qui a un problème dans zone ça yo et qui prend zone ça en otage. Yo gade tout entre sud capital pays. Plus passé de l'année que ouais trois groupes armés ka boukate koubal en bas yo même yo prend zone ça en otage. Violence les armés ça yo li vin gen impact tout sous ça de capable rele question économie pays et population lui-même li vin pas ka travail, li vin pas ka faire rien et vin compliquer ça rele dans rentrée recette fiscale pays. Plusieurs milliers de femmes, si moun, garçons, a forcé quitter la caillou. Pour qui ça? Parce que yo pas vle victime en bas mais action bandi yo. Là, nous avons cité Ulrika Richardson, qui lui-même qui était coordonnatrice résidente Nations Unies en Haïti. Nations Unies fait comprendre que nek armé sa yo. Qui décide de prendre ça en otage, li senti que notre travail li ta gen un rapport kokoday en nek armé sa yo avec des séries de acteurs dans le gouvernement, avec des séries de acteurs classe économique là et acteurs politiques qui ont même ta mette tête yo ensemble, ta mette main ensemble pour que yo permettre que de moun en dans pays an, non ensemble de quartier. Nous ensemble localité qui ont quitté zone ça.
dans le rapport qui publié par Sanele, Mat qui suivi déplacement DTM avec OIM, avec coordination, Direction générale haïtienne, défense civile, yo évalué que question sécurité ça, li purement que Sanele, mais caché la donne. Situation sécuritaire en Haïti, après jeudi, li clairement montre que paysan li sous gouvernail de nek armé, paysan li sous l'obédience de nek armé qui prend un ensemble de zones en otage. Jeudi, l'engade insécurité dans la zone Matisse Fontamara, jeudi qui permet que ou joindre moun pa kat kavese nan entre sud capitale pays. Li pa l'autre question encore, li pa l'autre réalité encore que bandi armé qui arrange yo qui prend zone sa en otage. Jodi a vle comprendre que à travers émission ça que problème est ce qui te gande pays. Si autorité dans l'état yo pas responsable, pas coupable des situations de sécurité sans d'un pays, ou mettre quoi, ou mettre dissolvé, problème ça, qui vient là, que tu as résolu déjà. Et nous, ouais, que, et chaque jour qui passait, que Ariel Henry, avec toute équipe liant, a fait s'en aller, demande beaucoup de communauté internationale, là, pour aider yo, pour sortir de s'en aller là comme question, insécurité. Je dis en essayant de comprendre, en analyser bien sa capacité d'un pays là. Moi souvent dis à travers émission nous yo, comment comprendre que deux nèg armés yo mettent tête ensemble pour courir derrière ensemble de monde qui venu ensemble de zone. Pour qui ça? Nèg yo a déchapillé, nèg yo apprend tout ça moun yo ki an dan la kayo. D'ailleurs, te konsan mi te ekri nou nan mesak nouvèl, msye di ke nèg yo antre an dan kay maman nan Caridad, yo bote tout sa ki gen an dan kay lan. E mba ba nou manti, mwen aksyon parey, mwen kes ki komet li, li pa lot ki goup armé ti la pli nan Gran Ravine, ki mélange avec ekip Izo nan Village de Dieu. Je di an, réalité insécurité qui gagne dans le pays, hein? Lisez conséquences et ses résultats. Acteurs politiques nous, acteurs économiques nous, qui eux-mêmes en soi mettent main par rapport avec question insécurité ça pour détruire pays. Hein? Je dis qu'on est que bataille contre question insécurité dans le pays. Hein? Limande un véritable sacrifice. Limande un ensemble véritable effort qui pour fait. Qui permet que les que si autorité pas veut ban nos résultats avec insécurité ça laisse à nous-mêmes. N'a dit tête nous puisque nous avons ensemble dirigeants autorité m'en fout mais et qui eux-mêmes rien que situation la vie non vin plus compliqué en dans pays hein ou dit tout que jodi hein insécurité hein est-ce que le pas gagner de monde qui t'a dit peuple là camper des barricades Dieu c'est avenir qui jodi hein impliqué dans question ça est-ce que pas gagner de monde qui peut-être qui était même bon côté ancien président Jovenel Moïse et même ancien président Martelly qui au même jodi hein gagne au trempé dans sa gain là comme insécurité est-ce que à fond tout oligarque corrompu ça qui lui même jodi hein qui mettait main yo dans volume insécurité ganda pays là. Est-ce que tout ensemble pas responsable de situation que nous avons dans le pays?
je dis à vous qu'une comprenne que l'insécurité que nous avons fait face à avec en d'un pays, n'est pas l'autre que acteurs politiques, acteurs économiques, qui eux même ensemble, qui fait un seul pour faire que nous avons vu cette situation. Ça. Après plus passé de l'année, en pile famille, en pile parents, pas qu'à retourner la caillou dans Matissa Fontamara. Et jusqu'à présent, pour mon traversée, sorti Kafou, sorti Grécy, Mariani, Léogane, Grand Gouave, Tigouave, dans le grand sud paysan, pour le dit que le pal traversé, dans le niveau Matissa Fontamara, la fait signe de la croix, parce que le pas qu'on est, qui s'acquipe qu'à le li pa konnen exactement qui comportement nek armé iso si la pli Christa pral gen kontre yo et même jantou ouè moun yo éviter pou pa passer par canara nan machine parce que avec équipe Jeff lan Bogian qui contrôle zone sa en bas pa gen aucun moun qui fait que yo même pour que yo capable gérer situation ça je dis à ouais que les canarans yo utilisé on la pratique yo a essayé là et même attaqué moun yo qui décidait aller sur la mer. Ah oui, yo décidé à empêcher moun yo qui dit yo, yo pa pral victime en bas mais nèg canaran zone citoyen zone sous matla bon zone ciment d'Haïti et au senti que nèg yo même yo trouvé ça pas assez yo di a attaquer moun yo y a persisté moun yo jusqu'à ce que yo même yo rivé côté que yo yéan et ça faut ouais que nèg yo même yo rivé à attaquer moun yo sur la mer et pendant période ça ou nèg yo censé saisir n'importe quel bateau marchandise pour marchand cap traverser sur la mer cap sorti soit sous waf Jérémy pour aller soit à Kayer Saint-Marc ou mais l'autre côté encore nèg yo traverser la mer il saisi camion marchandise, il a saisi bateau marchandise moun sa yo. Il a saisi et moun yo a mandé avec autorité dans l'état yo pour dégager Koumet Jean-Jacques pour que yo fait coup qu'on est dégager coup qu'on est pour mettre présence policier garde côte sous la mer et policier garde côte sa yo cap aider yo pour empêcher que citoyen yo même marchand yo grossiste yo ti détaillant yo pas victime en bas menek armé. Est-ce qu'on connaît jodi an question sécurité ça avec deux grands axes sa yo rentrer nord capitale pays an avec rentrer sud capitale pays an qui contrôlé avec deux nek armé ça vin rend que la vie a vin très cher nan reste capital l'ouest paysan nan reste département l'ouest paysan parce que provision pa kat kavese et ça vin rendre que tout la vie a vin très cher tout nan nord paysan parce que marchandise pa kat kavese je dis à comprendre réalité qui gen la nord paysan li rend très très compliqué et peuple là ben mandé nous ça situation qui gen là et nous souvent dit à travers émission nous yo c'est nous mêmes qui pou lever camper c'est nous mêmes qui pou faire coup d'coup de là c'est nous mêmes qui pou pas camper avec ce mouvement bois calé hein. Parce que si nous camper avec mouvement bois calé hein pas ba nous menti situation que on a vive là nek armé ça yo
qui va payer en otage là, yo fait carré à faire monter ciel pas d'eau. Je dis hein, on veut qu'on comprenne ça n'a plus en d'un pays là. Lycée résultat mauvaise gouvernance 30 dernières années là yo avec de nek qui t'est passé dans l'état femme à garçon t'est passé dans l'état et qui pas jamais t'est conscient que situation à vivre là situation à connait là en d'un pays que nek sa yo ak femme sa yo yo responsable de li nous pas jamais penser ça. Nous pas jamais imaginer ça. Je dis en m'vle que nous comprenne, m'vle que nous garder réalité ça. Insécurité que nous donne là, c'est des monde que nous pas imaginer. Des monde que nous pas penser qui armé jeune garçon avec jeune femme ça yo et qui fait je dis en n'a connait ensemble réalité ça yo moment difficile ça yo qui fait que même en bas la ville que ne pas aller qui fait que même la porte à l'organe que ne pas descendre pour na soit acheter à vendre même premier deuxième troisième avenue Bolos qu'on pas arriver pour na dégager nous parce que nèg armé prend zone ça en otage. Je dis en comprenant réalité ça en comprenant problème ça que n'a vive là si en est pas fait si en est pas dit qu'une fête carré a vive li après te la donne et pas que personne moun j'en toujours dit là cap aider nous sortir la donne c'est nous même comme peuple c'est nous même comme moun qu'a vive situation ça pour nous dire nous que eh bien faut nous faire un gens pour nous sortir la donne faut nous faire un gens pour nous dire nous nous pas quitter que nous faisons la donne nous pas quitter que ces étrangers hein gens que nous avons pouvoir en place là pas suspendre à peut demander à crier devant international là pour que c'est lui-même qui veut faire bagarre pour nous dans question de sécurité ça mais plutôt c'est nous-mêmes qui pour mettre menou ensemble qui pour résoudre problème insécurité. Merci avec vous-même qui t'a suivre émission ça vraiment matin. Nous te font ti garder tout petit, nous te font ti monter tout petit dans question sécurité hein par rapport avec situation que n'a vive là, ça n'a connait là. Je dis en qui méritait que pour nous poser question de lui et question à poser autour faut que nous faire un gens pour résoudre et si on pas résoudre en rien pas changer pour nous dans condition la vie nous. N'a dit que l'émission s'est entrée la caillou grâce avec Zan Shipping. Zan Shipping lui-même qui est toujours présent et qui est toujours sponsorisé l'émission ça. Zan Shipping c'est un compagnie shipping ou qui utilisé pour voyer n'importe ça gagner ces domaines Haïti, Brésil, Chili, Latrier. Il fait livraison par bateau, livraison par bateau a passé durée 15 à 20 jours et si c'est dans avion, livraison prend 3 à 5 jours. Il a prix qui est abordable. En même temps tout, il y a un service pick-up ou capable de relayer l'équipe Zan Shipping sous États-Unis ou bien Canada dans 855-994-66. 855-994-66. Merci beaucoup abonné avec Chanel ça. Abonnez avec lui, like vidéo ça, partagez-le, quittez un commentaire, la fait nous bien pile.